Donc je lance l'enquête, je me dis, voilà, je voudrais comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça a eu un tel succès et pourquoi ça a été arrêté. Parce que de fait, Vincent Peillon arrive au ministère, l'expérience, elle est immédiatement arrêtée. Et c'est d'ailleurs là-dessus que s'est faite aussi la campagne de médiatisation. Et ça, alors pour le coup, c'était moins rigolo. Sur le mode, vous voyez, dès que quelque chose fonctionne dans l'institution, on l'arrête. Donc vous voyez, il y avait aussi quand même un discours un peu de défiance vis-à-vis de « Ah tiens, pour une fois que quelque chose marche, ah ben évidemment, il faut que le gouvernement l'arrête. » Et donc moi, j'ai voulu comprendre aussi pourquoi ça avait été arrêté. Donc je me suis lancée dans une petite enquête. Alors voilà, j'ai pris quelques mois d'enquête. Et au début, je me suis dit « Ça va être assez facile cette enquête. En fait, je vais aller à Gennevilliers. » Je vais aller dans l'école en question, je vais discuter avec les anciens collègues de Céline Albarret, je vais essayer de retrouver quelques parents et je vais essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est arrêté et pourquoi aussi quand ça s'est arrêté, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un site avec des vidéos où elle apprend en direct aux parents que ça s'arrête et si vous voulez, le monde s'effondre quoi. Les parents sont en larmes, ils sont comme ça, c'est filmé au ralenti, ils font... comme dans les émissions de télé-réalité, donc on se dit, il se passe vraiment un drame, voilà. Donc je voulais retrouver ces parents-là, et je voulais discuter avec eux pour voir un petit peu ce qui s'était passé. J'arrive à entrer en contact avec quelqu'un qu'on présente comme le monsieur tout le monde de la FCPE, qui connaît tout le monde, qui va m'orienter sur tous les parents de la classe, voilà. Je l'ai au téléphone une fois, je me dis « Ah oui, Alvarez, formidable, c'était extraordinaire, je connais tous les parents, je vous mets en relation, je vous rappelle la semaine prochaine. » Bon, pas de nouvelles. Je le rappelle, il me dit « Ah oui, je vous ai oublié, excusez-moi, je m'en voyage en Italie, mais oui, je vais vous mettre en contact avec tous les parents, je vous rappelle la semaine prochaine. » Je commence à sentir un peu le truc, je me dis « Bon, je vais me débrouiller un petit peu toute seule, je commence à chercher le nom de la directrice d'école qui était là au moment où il y avait Céline Alvarez. Alors je le trouve, je ne sais plus comment, sur le web, je le trouve dans un livre de Marilyn Baumard, qui a écrit, qui a consacré quelques pages dans son livre sur l'école à Alvarez, parce qu'elle est allée la voir. Je trouve le nom de la directrice. J'arrive à trouver son mail, je rentre en contact avec elle, je lui dis, écoutez, moi je vais vous donner mon hypothèse, et vous allez me dire si c'est juste. Et je dis, mon hypothèse, c'est qu'on vous a mis une personne entre les pattes du jour au lendemain avec un dispositif sans vous expliquer de quoi il était question et que, d'une certaine manière, il y a eu une expérimentation privée à l'intérieur de l'école publique. Enfin, elle me dit qu'elle a demandé à sa hiérarchie et sa hiérarchie demande mon CV avant de se prononcer. Donc, je fais passer mon CV, c'est-à-dire docteur en sciences de l'éducation, mon projet de bouquin, avant que la hiérarchie donne son accord. Et ce que me dit cette femme au téléphone, c'est que au moment de la parution du livre d'Alvarez, des collègues de Céline Alvarez avaient demandé un droit de réponse dans les médias et qu'on leur avait refusé. Et que c'était pas les médias qui ont refusé, l'institution, l'administration avait refusé. Bon, donc je sentais qu'il se passait des trucs un peu spéciaux. Alors pas sur le mode, attention, c'est une usine à gaz, c'est pas du tout complotiste ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on était là au cœur de quelque chose susceptible de faire controverse, et l'institution n'aime pas la controverse. Parce que qui dit controverse dit média, dit aller chercher la petite bête, comme je fais d'ailleurs. Donc il se disait, il faut en gros essayer d'éviter qu'il y ait des discussions autour de cette affaire Alvarez. J'entre en contact avec le responsable d'éducation de la mairie de Gennevilliers. Pareil, je l'ai en contact par les réseaux sociaux. Il me dit « Alvarez, formidable, je vous raconte tout ce que vous voulez. » Je lui écris un mail en lui disant tout ce que je veux. Et là, il me répond « Non, ben, finalement, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Vous savez, moi, la pédagogie, j'y connais pas grand-chose. Moi, je suis juste un administratif à la mairie. Je sais rien. » Donc, c'était assez extraordinaire, c'est ce que je raconte. C'est que sur le terrain, je n'ai quasiment... pu rencontrer personne à part cette directrice que j'ai eu au téléphone et qui m'a raconté des choses qui professionnellement nous parlent, c'est-à-dire des enfants qui ne vont pas, alors ça peut paraître des détails pour ceux qui ne sont pas dans la profession, mais des enfants qui ne vont pas en récréation aux mêmes heures que les autres enfants, des chercheurs qui défilent dans la cour d'école tous les jours sans saluer les autres collègues, sans même dire bonjour à la directrice, c'est-à-dire véritablement une expérience complètement autonome
à l'intérieur d'une école. Et s'il y a des directeurs ou directrices d'école ici, vous savez très bien que la question de la sociabilité entre collègues et de la sociabilité avec les parents est quelque chose d'absolument fondamental. Et puis, ce qui est assez rare dans le domaine des recherches en sciences sociales, c'est que les personnes auxquelles j'ai pu avoir accès sont en réalité les personnes de pouvoir. Il se trouve que j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le directeur de cabinet de Najat Vallaud-Belkacem et je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez de me rencontrer pour me parler un petit peu de l'expérience Alvarez? Il m'a dit, oui, venez, je vais vous raconter exactement tout ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai pris mon téléphone, bon là, j'ai fait un peu plus, Marie-Chantal prend son téléphone, et j'ai appelé Agir pour l'école, la Fondation pour l'école, c'est autre chose, c'est pire, ça s'appelle Agir pour l'école, et c'est, en fait, si vous voulez, le lieu de réflexion sur l'école de l'Institut Montaigne, pour le dire rapidement. Et donc, j'appelle Agir pour l'école. Je dis, voilà, je fais une enquête sur les pédagogies alternatives et j'aimerais bien rencontrer, comment ça s'appelle, Laurent Cros, qui est donc votre responsable pour lui parler de l'expérience Alvarez. Donc, ils me reçoivent tous les deux. Olivier Noblecourt, directeur de cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, et Laurent Cros, qui est dans Agir pour l'école. Bon, là, je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est pour vous dire que c'est intéressant parce que j'ai réussi à discuter avec plutôt ceux qui sont les décisionnaires, et en revanche, je n'arrive pas à avoir trop d'écho du terrain à part la directrice de l'école. Bon, et en gros, voilà, je reconstitue. Alors, il faut acheter la revue pour savoir exactement comment je reconstitue les choses, mais enfin, grosso modo, voilà ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'effectivement, une jeune femme qui venait de terminer ses études en neurosciences, en psychologie cognitive, qui est un peu, qui utilise les neurosciences, la psychologie cognitive, comment est-ce qu'on apprend et comment est-ce qu'on peut scientifiquement normer, baliser, quantifier ce qu'on apprend. En psychologie cognitive, et puis qui avait lu effectivement et connaissait sur le bout des doigts la pédagogie Montessori, cette jeune femme va taper à la porte de Blanquer, qui est à l'époque le DGESCO sous le gouvernement de droite. Elle lui dit, j'ai une expérience à vous proposer, je voudrais ouvrir une classe Montessori dans un quartier populaire, je viens moi-même de quartier populaire, je voudrais vous montrer que ça fonctionne. Et là, elle est soutenue tous azimuts par le DGESCO. Donc en fait, elle est totalement portée sur le mode, c'est formidable, l'innovation, hein, donc on était complètement dans le culte de l'innovation pédagogique, c'est une expérimentation, c'est une innovation, on y va, on finance. Agir pour l'école donne 10 000 euros pour équiper entièrement la classe d'Alvarez, et il commence, donc recrutement, etc., et il commence une expérience sur 3 ans, où elle avait en plus vraiment tout, elle avait préparé son dossier, et donc elle avait indiqué qu'elle était en relation permanente avec des chercheurs et des chercheuses en France, notamment dont Stanislas Dehaene, qui est le spécialiste de neurosciences au Collège de France, et aussi au Canada. Je ne sais plus comment, mais une universitaire super connue qui, sur son site, écrit qu'elle a fait des miracles pour sortir les enfants de l'analphabétisme. Et donc, elle explique qu'il va y avoir des expériences régulières sur les enfants à partir d'une méthode Montessori, et que cette méthode sera régulièrement évaluée et qu'on verra à quel point, au bout des 3 ans, on verra à quel point ça avait été absolument extraordinaire. Et de fait, donc, elle est entièrement soutenue par l'institution, elle fait son expérience, elle filme les enfants au fur et à mesure, elle met tout ça en ligne progressivement, donc au départ, c'est vraiment de l'expérimentation pédagogique comme il y en a aussi ailleurs, sauf que régulièrement, les chercheurs viennent. Laurent Cros me dit, c'est formidable, on avait des paillettes dans les yeux, on se disait, on n'a jamais vu une pédagogue pareille, c'est extraordinaire ce qui se passe, etc. Mon copain Stanislas Dehaene va vendre le truc tellement c'est génial, les gamins, ils sont tous super heureux, ils sont tous super épanouis, ils savent quasiment lire à 4 ans, il faut qu'on fasse une évaluation ultra positive, etc. Et puis la première année, elle a donc tous ces chercheurs et ces chercheuses qui viennent, qui font des rapports, etc. Et puis au bout d'un moment, ça se calme. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de venir, qu'il y a une première évaluation qui est financée par Agir pour l'école, mais il n'y en a pas d'autres. Et en particulier, ce que me dit le directeur de cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, c'est qu'il y avait aussi, évidemment, parce qu'on est quand même dans le système public, des évaluations par l'inspection, normales. Et que ces évaluations, en revanche, étaient beaucoup moins dithyrambiques que les paillettes dans les yeux de Agir pour l'école.
Et tout ça, progressivement, si vous voulez, l'école continue, mais les chercheurs et les chercheuses y vont de moins en moins. Et au bout d'un moment, Laurent Cros me dit, en fait, ce qu'on a rapidement compris, c'est qu'on a assisté à un pic d'efficacité, quelque chose qu'on constate dans n'importe quelles expérimentations, quelles qu'elles soient. On a assisté à un pic d'efficacité. Ben imaginez, vous êtes dans une bulle 24 heures sur 24 avec des gamins, vous leur mettez des électrodes, tous les jours vous testez s'ils ont bien appris à faire rire aux rues, s'ils savent bien manipuler leurs lettres, etc. Au bout d'un moment, les gamins, ça marche hyper bien. Voilà. Donc Laurent Cros dit, on a assisté à un pic d'efficacité, et en même temps, au bout d'un moment, on s'est dit, oui mais, est-ce que ce qui se passe là est transposable ailleurs ? La question de la transposabilité a été fondamentale là-dedans. Et en fait, il a proposé à Céline Alvarez d'étendre un petit peu cette expérience, et puis elle était réticente, elle ne voulait pas trop. En fait, ce qu'il a compris, c'est qu'elle voulait fonder son truc un petit peu toute seule, et qu'elle voulait ensuite faire perpétuer son petit... Dans l'article, il est question de business, mais ce n'est pas vraiment une question d'argent, faire perpétuer sa petite expérimentation et accumuler une forme de rétribution symbolique aussi, de reconnaissance d'un travail qui fonctionne. Et là, donc, elle est plus ou moins lâchée par Agir pour l'école. En tout cas, c'est ce que me dit Laurent Cros. Et Noblecourt me dit, donc, au ministère, on me dit, Payon arrive, il essaye de faire un audit de ce truc-là, il arrive, c'est quand même la gauche en 2012, c'est resté un petit moment la gauche. Donc il arrive et il dit, non mais là il se passe un truc, c'est une expérience complètement privée qui coûte cher, on n'a pas de données palpables sur l'efficacité, on ne peut pas l'étendre à l'ensemble de l'institution, et puis surtout, c'est une instit qui est payée par l'État, on ne va peut-être pas non plus comme ça financer des expériences autonomes comme ça au sein du service public. Les rapports d'inspection ne sont pas super bons, et d'après ce qu'il me dit, mais ça je n'ai pas vu, les gamins qui ensuite rejoignent le système traditionnel ne sont ni meilleurs ni moins bons, attention, ils ne sont pas moins bons, hein, mais ne sont ni meilleurs ni moins bons que ceux qui ne sont pas passés par la pédagogie Alvarez. Donc, le ministère décide en fait de mettre fin à cette expérience. Vraisemblablement, il a proposé d'autres choses à Céline Alvarez, parce que je n'ai pas de détails, et elle aurait refusé parce que, dit-elle, elle avait d'autres projets, c'est-à-dire que l'école, ça ne l'intéresse plus. Maintenant, elle va s'attaquer à beaucoup plus vaste, c'est-à-dire le monde. Donc, bon, ça ne nous intéresse plus, très bien.